Ma Mission TV, le miroir du monde. La société civile vient de revendiquer parce qu'il y a eu la spoliation du terrain de ce programme. Ce sont des bénéficiaires finaux. Ceux qui souffrent de cette maladie, ils n'ont pas été informés de ce qui s'est passé. Ma Mission TV, le miroir du monde. Zilawa na Kamago. Oh, yo, come on.
Mario Gaga. Manifester aujourd'hui contre la vente de la concession du PNMLS. Dites-nous, quel est l'objectif que vous visez à travers cette action? En fait, vu la spoliation du terrain qui appartient au programme national multisectoriel, dont le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi et le président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, la société civile vient de revendiquer parce qu'il y a eu la spoliation du terrain de ce programme et la société civile a estimé qu'il fallait récupérer ce terrain. D'où vous avez vu aujourd'hui cette action de force qui a fait que la société civile s'est réunie, toutes tendances confondues, pour venir récupérer le terrain. Donc c'est une première action qui a été faite. Et il y a un mémo qui sera déposé auprès du chef de l'État pour qu'il puisse voir, en tant que président du CNMLS, comment est-ce qu'il peut remettre le programme dans ses droits. Je suis ingénieur Charles Mukanda. Je suis le président du réseau national de personnes vivant avec les VIH et des personnes affectées. Alors, vous avez organisé cette action. Dites-nous, quel est l'objectif que vous visez et quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit des autorités de la place? Le premier message, c'est de faire connaître à tous les Congolais, qui qu'ils soient, autorités ou pas, ils doivent s'impliquer dans la lutte contre le VIH-SIDA. Parce que c'est une pandémie qui détruit. Alors, si les uns s'impliquent, les autres ne s'impliquent pas, ça ne va pas. Alors, aujourd'hui, Oui, ce ne sont pas des jeunes qui ont fait tomber les murs. Ce sont des bénéficiaires finaux. Ceux qui souffrent de cette maladie, ils n'ont pas été informés de ce qui s'est passé. Ils se sont défendus. C'est une construction anarchique et avec des faux documents, avec des faux numéros. Donc, nous n'avons pas été avisés. Cette parcelle a été octroyée par la coopération belge qui nous a laissé cette construction. Jusque-là, nous attendons l'État congolais pour construire encore là-bas pour les PNLS et pour les autres. Et nous ne comprenons pas comment ça peut arriver à ce niveau. Vous avez une autre question? Good.
Bonjour. Alors, la société civile a manifesté aujourd'hui contre la vente de la concession du PNMLS. Dites-nous, quel est l'objectif que vous visez à travers cette action? En fait, vu la spoliation du terrain qui appartient au programme national multisectoriel, dont le président de la République, le président Félix Antoine Tshisekedi et le président du Conseil national multisectoriel de lutte contre le sida, la société civile vient de revendiquer parce qu'il y a eu la spoliation du terrain de ce programme et la société civile a estimé qu'il fallait récupérer ce terrain. D'où vous avez vu aujourd'hui cette action de force qui a fait que la société civile s'est réunie, toutes tendances confondues, pour venir récupérer le terrain. Donc c'est une première action qui a été faite. Et il y a un mémo qui sera déposé auprès du chef de l'État pour qu'on puisse voir, en tant que président du CNMLS, comment est-ce qu'il peut remettre le programme dans ses droits. Je suis ingénieur Charles Mukanda. Je suis le président du réseau national de personnes vivant avec les VIH et des personnes affectées. Alors, vous avez organisé cette action. Dites-nous, quel est l'objectif que vous visez et quel est le message que vous voulez lancer à l'endroit des autorités de la place? Le premier message, c'est de faire connaître à tous les Congolais, qui qu'ils soient, autorités ou pas, ils doivent s'impliquer dans la lutte contre le VIH-SIDA. Parce que c'est une pandémie qui détruit. Alors, si les uns s'impliquent, les autres ne s'impliquent pas, ça ne va pas. Alors, aujourd'hui, ce ne sont pas des jeunes qui ont fait tomber les murs. Ce sont des bénéficiaires finaux. Ceux qui souffrent de cette maladie, ils n'ont pas été informés de ce qui s'est passé. Ils se sont défendus. C'est une construction anarchique et avec des faux documents, avec des faux numéros. Donc, nous n'avons pas été avisés. Cette parcelle a été octroyée par la coopération belge qui nous a laissé cette construction. Jusque-là, nous attendons l'État congolais pour construire encore là-bas pour les PNLS et pour les autres. Et nous ne comprenons pas comment ça peut arriver à ce niveau. Vous avez une autre question? Mission TV, le miroir du monde.